عقيدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc ça, c'est le 29e dars et l'avant-dernier, inshallah, dans l'explication du livre Muqaddimat As-Sanusiyya. Donc, inshallah ta'ala, c'est l'avant-dernier dars. Et donc, après cela, on aura fini, inshallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dars, ce livre dans le dogme. Si vous vous souvenez, quand on avait terminé le livre Ta'alim al-Muta'allim, il y avait la question qui avait été posée, c'est quoi la meilleure science à apprendre? Et la réponse, c'était que la meilleure science à apprendre, c'est la science du tawhid, la science de l'aqidah, qui te permet de connaître Allah Azzawajal, ton Seigneur, etc. Et bien sûr, il y a des degrés, il y a des choses qui sont obligatoires pour tout le monde. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Non. Mais le plus important, c'est d'apprendre ce qui nous est obligatoire. Donc, la première chose, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, de connaître les adab, les comportements justement de la science, etc. Les comportements en règle générale. Parce que ça aussi, c'est une obligation. Le comportement, ce n'est pas un petit sujet. Non. Mais les comportements de la vie, c'est des choses qu'on doit apprendre en réalité, tout le temps, en théorie et en pratique. Ensuite, la aqida. Ensuite, le fiqh. Donc, bi'iznillah, si Allah le permet. À la suite de ça, on va faire un livre de fiqh, inshallah ta'ala, avec, inshallah, la bonne méthodologie. Donc, on poursuit. Donc, ici, on poursuit donc, le chapitre de Al-Kalam. Donc, évidemment, comme on avait dit, ce sujet de Al-Kalam, c'est un sujet très sensible sur lequel la plupart de ces points, ce n'est pas des points qu'on doit. Dire le jour du vendredi devant tout le monde, c'est des sujets de ilm, d'accord? Les sujets dont je traite, ce n'est pas spécialement fait pour les débutants, mais vu que beaucoup de gens en parlent, et puis voilà, ça fait partie des choses de notre religion qu'on doit connaître. Mais ici, on se contente de savoir ce qui est essentiel. Et encore une fois, l'utilité dans ça, c'est d'avoir une bonne méthodologie de comprendre des textes. Et comme je dis tout le temps, quand on a une bonne méthodologie de compréhension de textes, et bien, bi'iznillah, dans notre vie de tous les jours, et bien, on aura aussi, on va appréhender la vie, les sujets, ben, de manière, avec une bonne manière, tout simplement. Voilà. Donc, ici, on a terminé. Bon, on aurait pu parler beaucoup hein, sur le chapitre de Al-Kalam, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, etc. On y reviendra si on refait un autre livre de Aqida ou peut-être dans des vidéos courtes, je préciserai certains points ou je rappellerai certains points. Mais là, en fait, là maintenant, le chapitre qu'on va faire, c'est lié au chapitre de Al-Kalam. Mais ici, on va parler d'un point qui s'appelle Al-Khabar wal-Insha. Un point qu'on a vu justement qui est lié à la langue arabe. Donc, vu que c'est on parlait de kalam, donc ici on nous dit que al-kalam est divisé en deux sortes, al-khabar ou al-insha. On a appris ça dans les cours de balagha. Mais avant de parler de ça, on va juste clôturer un point par rapport au al-kalam. Un vers de poésie qui est dit, qui résume tout et les choses que tout musulman doit mémoriser, connaître, comprendre, afin d'être tranquille, on va dire. Alors, on nous dit quoi? Qira'atul khalqi sifatul lahum, fawajibun huduthuha mislahum. Qira'atul khalqi sifatul lahum, fawajibun huduthuhu mislahum. Donc, notre récitation,
Quand quelqu'un récite le Coran, c'est ton attribut à toi. C'est toi qui récites. D'accord? Ce n'est pas Allah qui récite à travers ta bouche. D'accord? Par contre, la chose que tu es en train de réciter, ça, c'est l'attribut d'Allah Azzawajal. C'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est qui Al-Kalim? C'est Moussa alayhi salam. Moussa, Kalimullah. Naam. Tiens, il y a un frère qui est là. C'est mon voisin de quartier. Il aurait pu venir pour assister au Dars, Inch'Allah. Donc, et c'est ce que Al-Kalim, Moussa, il a entendu. Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah Azzawajal. Wa huwa kalamu Rabbina al-Qadim. Et il a entendu la parole d'Allah Azzawajal qui n'a pas de commencement, qui est de toute éternité. Donc on va préciser un point par rapport au fait que la parole d'Allah est de toute éternité. D'accord? C'est ce qui est dit ici. Wa huwa kalam La parole d'Allah Azzawajal n'a pas de commencement, pas d'interruption et pas de fin. Naam. Laysa lahu shibhun wa la mithalu wa la lahu an dhatihi intiqalu. Donc, la parole d'Allah Azzawajal n'a pas de ressemblance, n'a pas de ressemblance avec les paroles de créatures. Wala lahu fi dhatihi intiqal. Et la parole d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de déplacement dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. La parole est en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas, comme on a dit, de début, de fin, et ni toutes les choses qu'on connaît par rapport aux créatures. Et tout ce qu'on écrit, donc quand on écrit le Coran à la main, lorsqu'on récite le Coran, chacun avec sa voix, chacun a des voix différentes. C'est-à-dire que lorsque on entend l'imam réciter le Coran, c'est un dalil. Quand on dit dalil, c'est quelque chose qui te guide. Un dalil, ça veut dire un guide. D'accord? On dit une preuve, un dalil, une preuve, ça veut dire que ça te guide vers la vérité. D'accord? Donc, quand on entend l'imam réciter, oui, c'est la voix de l'imam, mais la voix de l'imam, elle te renvoie vers la parole d'Allah Azzawajal que nous, on ne peut pas entendre. On n'a pas tous le privilège d'entendre la parole d'Allah comme Moussa a entendu la parole d'Allah. Et comme on avait dit, lorsque Allah il dit, par exemple, au sujet des mouchriquins, au sujet des Yahoud, en parlant des Juifs, ils entendaient la parole d'Allah, les mouchriquins, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Mais ici, entendre la parole d'Allah, t'entends un musulman réciter la parole d'Allah. Mais tous les deux, ça s'appelle la parole d'Allah. J'espère que c'est bien clair. Kama. Naam. Donc, dala'il. Donc, il y a toujours ces deux notions. Vraiment, il y a deux choses à retenir, deux notions. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment bien traduire, del ou madloul. Tu vois, il y a del, c'est ism fa'il, et madloul, ism maf'oul. D'accord? Del, c'est, tu vois, dalla. Il y a des frères ici qui sont dans le cours d'arabe. Dalla, il y a doulou, doul. Par exemple, istidlal, je ne sais pas comment le master, et del, madloul, d'accord? Ism fa'il, del, ism maf'ul, madloul, d'accord? Madloul, c'est ce qui est récité, ce qui est guidé, non pas guidé, mais vers quoi renvoie la chose. Et del, c'est la chose qui te renvoie vers, d'accord? وهذه الرسوم والأصوات دلائل عليه موضوعات موضوعات تفجر كذا ont été créées en fait كما يدل الذكر والكتاب عليه جل الملك الوهاب كما يدل عليه الذكر والكتاب donc pareil comme le zikr quand tu fais du zikr ça trace quand tu dis Allah c'est quelque chose qui te renvoie vers le nom d'Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kitab, lorsque tu écris.
ثم القراءات ذوات غاية وليس للمقروء من نهاية. Et القراءة, lorsque nous on récite, ben, il y a une limite, d'accord? Tu commences ta récitation, tu finis ta récitation. وَلَيْسَ لِلْمَقْرُوْ مِنْ نِهَايَةٍ. Mais la chose qui est récitée, donc la parole d'Allah Azzawajal, elle n'a pas de fin. Notre récitation, elle a une fin. Mais la parole d'Allah Azzawajal n'a pas de fin. Donc c'est comme, voilà, en mathématiques. Donc si je vous fais un tableau de géométrie, il y a ce qu'on appelle une droite. Vous vous souvenez? Une droite. Pas une droite, hein. Je ne fais pas la bagarre. On est en paix là. Une droite. C'est-à-dire, ce n'est pas un segment. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et un segment, c'est A, B. Il y a un début, une fin. D'accord? Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais ce que nous, on récite, quand on récite, il y a un début, une fin. Le Coran, comme on dit, il commence par la Fatiha, il termine par Surat al-Nas. Mais la parole d'Allah Azza wa Jal ne termine pas. Non. D'ailleurs, le Coran est une partie de la parole d'Allah. Le Coran n'est pas tout le contenu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, donc je relis. Ça, c'est l'imam Abu al-Hajjaj al-Darir fi manzumatihi tanbih wal-irshad fi ilm al-i'tiqad. Il dit qira'atul khalqi sifatun lahum wajibun huduthuha mithlahum wa qawluhu maqru'un min sifatihi qawluhu al-maqru'u min sifatihi wajibun qidamuhu kadhatihi. Je recommence. Qira'atul khalqi sifatun lahum fawajibun huduthuhu mithlahum wa qawluhu al-maqru' min sifatihi fawajibun qidamuhu kadhatihi wa huwa alladhi sami'ahu al-kalim wa huwa kalam rabbina al-qadim laysa lahu shibhun wa la mithal wa la lahu 'an dhatihi intiqal wa hadhihi ar-rusum wal aswat dala'ilun 'alayhi mawdu'at كما يدل الذكر والكتاب عليه جل الملك الوهاب ثم القراءات ذوات غاية وليس للمقروء من نهاية. Voilà. Donc ça, c'est pour conclure, c'est ce qu'il y a à mémoriser, c'est ce qu'on doit connaître, on apprend ça par cœur. Et on enseigne à nos enfants et à nos proches. Alors, un point. Quand les frères salafis nous disent Allah yatakallam matasha, donc je ne sais pas ça, si c'est une parole de salaf ou si c'est Ibn Taymiyyah qui a dit cela, mais quand il dit matasha, Allah il parle quand il veut, ça veut dire que de temps en temps il parle, de temps en temps il se tait, de temps en temps il parle, de temps en temps il se tait, et nous on dit ça, ce n'est pas possible. Et Ibn Taymiyyah, il nous parle, parce qu'il est le seul à en parler, bien sûr il y en a qui l'ont précédé, mais ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la parole des savants. El af'al el ikhtiyari, que Allah il fait quand il veut, bien sûr Allah il a des actes, et on a bien expliqué que ces actes là, ces af'al, ces actes que Allah il fait, en fait ne prennent effet que sur les créatures. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que quand Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est Moussa qui a créé, qui a entendu la parole d'Allah à ce moment-là. Je répète, Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah azza wa jal à ce moment-là. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes liés aux endroits et au temps. Mais Allah azza wa jal n'est pas lié à l'endroit et au temps. D'accord? Allah n'est pas lié au temps. Tout ce que Allah a fait, ça a déjà été fait. Allah, il savait déjà ce qu'il allait dire à Moussa. Pour lui, c'était comme si c'était déjà, pour Allah Azza wa Jal, c'est comme si c'était déjà passé. Alors que eux, ils te disent que Allah n'avait pas parlé à Moussa, mais au moment où Moussa alayhi salam était sur la montagne, c'est à ce moment-là que Allah Azza wa Jal a fait l'acte de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on dit attention avec ça. D'accord? Nous, on ne dit pas ça. Donc ça, c'est un point qu'il faut préciser. Celui qui comprend, c'est bien. Celui qui ne comprend pas, c'est pas si grave. Bon, on continue. Maintenant, al-khabar wal-insha. Donc, on avait déjà vu ça dans ça, c'est lié à la langue arabe, puisqu'on parle de paroles. Donc, on cherche à savoir les paroles, chaque parole,
ce soit la parole d'Allah, la parole, n'importe quelle parole, se divise en deux. خبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. الخبر, une information, c'est ce qui potentiellement peut être vrai ou faux. لذاته, c'est-à-dire la phrase en elle-même, sans chercher à savoir qui a dit cette phrase et sans chercher à savoir quelle est la nature de cette phrase. Donc soyez concentrés. Sans chercher à savoir qu'on dit لذاته, c'est qu'on ne cherche pas à... Alors, excusez-moi, je vais vous mettre l'écran maintenant. Hop. Ça, c'est pour ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez suivre sur YouTube, vous aurez le partage d'écran. والكلام ينقسم إلى خبر والإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. D'accord ? يعني أن كل كلام وهو ما أفاد نسبة مقصودة لذاتها فهو منحصر في قسمين وهما الخبر والإنشاء. Donc la définition de خبر الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته من غير نظر إلى المخبر. Donc c'est ici, Al-Mukhbir, c'est la personne qui parle, Wal-Madda, c'est la nature de la phrase. On va expliquer ça tout de suite. Donc la nature de la phrase, ça veut dire, si par exemple je te dis 1 plus 1 égale 2, la phrase en elle-même, elle peut être vraie ou fausse. 1 plus 1 égale 2. Mais quand tu regardes la nature de la phrase, tu dis non, en vérité, 1 plus 1 égale 2. C'est ça, El Madda. D'accord ? Et El Madda, c'est vraiment la chose véritable. Madda, ça s'oppose à Sura. Sura, c'est l'image de la chose, quand tu te représentes une chose. Mais les deux, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, l'image d'une chose et la vérité d'une chose, des fois, on peut dire l'un pour l'autre. C'est-à-dire, la photo d'une personne, on peut l'assimiler à une personne. D'accord ? Donc, Al-Mukhbir, c'est la personne qui parle. Si c'est Allah qui parle, donc là, la phrase ne peut qu'être vraie. D'accord ? Donc, il y a deux notions sur la phrase. Al-Mukhbir ou Al-Madda. Allati tata'allak biha al-kalam ka'an yakun min al-umur al-daruriya allati la yakbalu ithbatuha illa sidqa wa la yakbalu nafyuha illa al-kazif. Naam. فخرج بالقيد الأول وهو احتمال الصدق والكذب الإنشاءات كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والتخصيص والنداء. Donc, le premier, dans la définition, le premier قيد, en fait, la première condition, enfin, qu'il y a dans la définition, c'est que ça enlève le insha. D'accord ? Le insha, c'est le contraire de, enfin, c'est différent du khabar. Le khabar, c'est une chose qui peut être vraie ou fausse. Zayd est debout. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais Al-Insha, c'est différent parce que c'est par exemple, comme on le dit ici, soit un ordre, une phrase à l'impératif, une interdiction, une question. D'accord ? Donc si je te dis, est-ce que Zayd est debout ? Tu ne peux pas me dire c'est vrai ou faux. D'accord ? Si je te dis, est-ce que Zayd est debout ? Tu ne vas pas me dire tu mens. Non. Et Annie, c'est comme si tu me dis, est-ce que le stylo est masculin ou féminin, enfin, est une fille ou un garçon? Non, ça ne rentre pas là-dedans. D'accord? Donc ça, la différence. وَدَخَلَ فِي الْخَبَرْ بِسَبَبِ قَيْدِ الْإِحْتِمَالِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ بِالذَّاتِ الثَّلَاثَةِ أَقْسَامِ. Donc, un khabar, comme on vient de dire, il y a trois notions. La première notion, c'est qui est-ce qui parle? Si c'est Allah Azzawajal ou son prophète qui parle, ça peut être que vrai. La deuxième notion, si c'est une phrase qui est darurat al-sidq, logiquement, ça peut être que vrai. 1 plus 1 égale 2. Ou troisièmement, une phrase qui peut être que fausse. On va te dire 1, c'est la moitié de 4. La phrase ne peut être que fausse. Donc, c'est ça les trois notion par rapport à al-khabar.
الأول ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا. Donc, la première, comme on a dit, c'est qui ma yahtamilu asidq wal kadhib mutlaqan. Ça veut dire une phrase qui peut être vraie ou fausse de manière générale. Ay yaqbaluha bin nazar ila haqiqatihi dhalika al kalam bin nazar ila zaidin alayh wa huwa al mukhbir wal ma'na al mukhbir bihi. Wa mithaluhu qawl qail ghayr ma'soum min al kadhib فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار ونحو ذلك فإن هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب مطلقا سواء نظرنا إلى صورة نسبته الصورة سفجر المادة tout à l'heure on avait dit مادة ici on dit صورة on aurait pu dire مادة نسبته أو إلى مادة صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى المتكلم به. Donc ici un exemple d'une phrase qui peut être vraie ou fausse. Là, maintenant, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux. Quelqu'un qui n'est pas un prophète, ce n'est pas une parole d'Allah Azzawajal qui te dit « un tel fait partie des gens du paradis ». Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ça peut que ce soit vrai, ça peut que ce soit faux. On va voir juste après, biznillah, qu'est-ce que c'est la définition de la vérité, la définition du mensonge. Ici, on parle du khabar. Ici, on ne peut pas dire que c'est vrai par rapport à la personne qui parle parce que la personne, elle n'est pas ma'soum min al-kadhib. C'est une personne normale qui te dit un tel fait partie des gens du paradis. C'est un exemple. Et la phrase en elle-même, la nature de la phrase, bon, on ne sait pas. Un tel, on ne sait pas, c'est un musulman normal. Peut-être qu'il se peut que ce soit vrai, cette phrase, il se peut que ce soit faux. Donc, là, c'est vraiment un khabar dans son sens général. D'accord ? Al-khabar. ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. Deuxième chose. القسم الثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة نسبته فقط. Deuxième, c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse. Maintenant, on regarde la nature de la phrase. مع قطر النظر إلى زائد عليه ذلك. أما إذا نظرنا إلى زائد على صورة نسبته فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا ريب ومثال ذلك إخبار مولانا جل وعلا وإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وكقوله إن المتقين في جنات ونهر وقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون فالله نزيك les pieux seront dans des paradis. Et voilà, toutes les informations que Allah Azza wa Jalla nous donne ne peuvent être que véridiques. Wa nahwu dhalika min sa'iri akhbarihi tabaraka wa ta'ala wa mithlu qawluhu alayhi salatu wa salam la nabiyya ba'di. Et pareil pour les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il dit il n'y a pas de prophète après moi, ça ne peut être que vrai. Wa nahwihi min sa'iri akhbarihi alayhi salatu wa salam فإن هذه الأخبار كلها إذا نظرنا إلى مجرد حقائقها اللغوية وقطعنا النظر عما زاد على ذلك فإن نجدها تقبل مجرد صورتها الصدق والكذب أما إذا نظرنا إلى زائد على حقائقها وصورة تراكبها هو كون المخبر بها هو مولانا جل وعز والمنزه عن نقيصه الكذب عقلاً ونقلاً. Donc, ici, il dit que, vu que c'est les paroles d'Allah Azzawajal et les paroles du prophète Azzawajal, ni la raison, ni les textes ne nous permettent d'envisager que la parole puisse être fausse. C'est impossible selon la logique et c'est impossible selon les textes que Allah Azzawajal et son prophète disent une chose qui puisse être fausse. Rasuluhu معصوم من الكذب عقلا ونقلا pareil pour le prophète عليه الصلاه والسلام فانه يرتفع حينئذ عن تلك الاخبار الاحتمال الصدق والكذب ويتحتم لها الصدق لا غير. نعم. Et donc ça ne peut être que vrai. ومن امثله هذا القسم ما يخبر به من الامور الضروريه ابتداء. Donc là c'était les choses qui ne pouvaient être que vraies en se basant sur la personne qui dit la chose. Allah et son prophète.
Maintenant, quand on regarde par rapport à la nature de la phrase. Donc, la nature de la phrase, on avait vu que dans les phrases, il y a ce qu'on appelle des choses qui sont évidentes. Mais les choses qui sont évidentes sont de deux sortes. De deux sortes, ibtida'an ou intiha'an. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont évidentes. Comment on appelle ça? Non. Daruri, ça veut dire c'est évident. Et navari, ça veut dire que c'est logique, mais ça nécessite de la réflexion. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1 plus 1 égale 2, on va dire c'est daruri. Ça, c'est des choses qui sont. La nature de la phrase ne peut que suggérer que c'est vrai, de manière évidente, mais c'est évident. Mais navari, c'est ce qui, ça reste de la logique, mais ça a besoin de réflexion. Donc c'est pour ça qu'on appelle daruri ibtida'an wa daruri intiha'an. Non. Allahu Akbar. Wa min amthilati hadha al-qism ma yukhbiru bihi min al-umur ad-daruriyya ibtida'an. Nahwu qawlika al-ithnan akthara min wahid. Comme deux, c'est plus que un. Fa inna hadha al-khabar min haythu an-nazari ila suratihi al-khabariyya Donc cette phrase, 2 est plus que 1, si on ne fait pas attention à la nature de la phrase, on peut dire que ça peut être vrai ou faux. Mais si on regarde la nature de la phrase, on dit non, ça peut être que vrai. Donc c'est pour ça que dans la définition, on dit... Le khabar, c'est une chose qui peut être vraie en fausse, en elle-même, sans regarder celui qui parle, sans regarder la nature de la phrase. Donc, il y a des choses qui sont logiques, mais qui ont besoin de réflexion. Comme le fait de savoir que le monde dans lequel nous vivons est créé. Ce n'est pas si évident que ça. Les philosophes, eux, malgré qu'ils se croient intelligents, pensent que le monde existe de toute éternité. D'accord? Allah, subhanahu, mawjoud, l'existence d'Allah, azawajal. Vous allez me dire, c'est une évidence. C'est l'existence d'Allah peut se démontrer par la raison, mais intiha'an, avec un peu de réflexion. Allah, subhanahu wa ta'ala, qadim, Allah, azawajal, existe de toute éternité, n'a pas de début. Ça aussi, ça donne réflexion. Qa'imun bi nafsihi, il n'a besoin de rien. Mukhalifun lil hawadith, différent de toutes les créatures. Tout ça, ça a besoin de réflexion. Wahidun fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi, qu'il est unique dans sa personne, dans ses attributs, dans ses actes. Tout ça, ça a besoin de réflexion. Donc si maintenant je dis cette phrase, Allah wahidun fi dhatihi wa fi af'alihi, Allahu azza wa jalla huwa al-qadim. Allah Azza wa Jal wal Mawjoud, Hadha al-Alam, Hadith, ce monde est créé, etc. Toutes ces phrases que je viens de dire peuvent être vraies ou fausses. C'est-à-dire, si je te dis Allahu Mawjoud, Allah existe, cette phrase en elle-même peut être vraie ou fausse. Mais quand tu regardes la nature de la phrase, avec de la réflexion, tu dis non, en vérité, cette phrase ne peut que être vraie. Non. ونحو ذلك فإن هذه الأخبار أيضا محتملون للصدق والكذب في ذاتها من غير نظر إلى زائد على ذلك أما إذا نظرنا إلى براهينها القطعية فإن الاحتمال حينئذ يرتفع ويجب لها الصدق لا غير نعم donc ça c'est la deuxième partie. Première partie, on regarde celui qui parle. Une phrase, un khabar, c'est ce qui peut être que vrai ou faux. Non, ce qui peut être vrai ou faux en lui-même. Mais maintenant, on regarde celui qui parle. Si c'est Allah et son prophète ou quelqu'un qui ne peut pas mentir, que Allah et son prophète en réalité, qui sont ma'soum, d'accord? Eh bien, la phrase là, elle devient automatiquement vraie. D'accord? Il n'y a plus d'ihtimal, il n'y a plus il n'y a plus de probabilité. Deuxièmement, on regarde la nature de la phrase. Qui sera obligatoirement vrai, soit selon la logique évidente ou la logique avec réflexion. J'espère que vous suivez. Troisième partie, c'est le contraire, la phrase qui est automatiquement fausse.
ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته وصورته فقط. إذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه وارتفع عنه احتمال الصدق. ومثال ذلك قول المعتزلي. Alors l'exemple, il aime bien donner le cheikh, donner des exemples avec les opposants. Là, il va donner une phrase qui est dite par les Mu'tazila, qui est fausse, mais qui en elle-même pourrait être vraie ou fausse. Mais quand on regarde la nature de la phrase ne peut qu'être fausse. Ils disent Al-iradatul azaliyatu la tata'allaku bil kufri wala bil ma'asui, wa innama tata'allaku bil khayri faqat. Ça, c'est la parole des Mu'tazila. Mais je viens de lire à l'instant que les frères wahhabotéimistes, ils disent à peu près la même chose. Ça, ce n'est pas le sujet, mais on va voir ça tout de suite. Les Mu'tazila disent Al-iradatul azaliyya la tata'allaq bil kufri wala bil ma'asi. Que la volonté d'Allah Azzawajal, qui est de toute éternité, ne s'applique pas à la mécréance et aux désobéissances. Parce que nous, les Asha'ira al-Sunna, on dit que tout ce que Allah veut, c'est ça qui est. Donc, s'il y a de la mécréance dans ce monde, c'est que Allah l'a voulu. S'il y a des désobéissances, c'est que Allah Azzawajal l'a voulu. S'il y a de la fornication, s'il y a des meurtres, c'est parce que Allah Azzawajal l'a voulu. Mais maintenant, j'ai lu à l'instant, là, c'est une explication de Tahawiyya dans le chapitre de Af'al al-Ibad, et c'est le cheikh. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Barak. Naam. Regardez l'explication de Cheikh Barak dans Af'al al-Ibad. Ils vont te dire, oui, mais vous allez, que. Parce que l'imam Tahawi dit bien. Les actions des serviteurs sont créées. Ou elle casse boubine al-abad. Non. Les actes des serviteurs sont des créations d'Allah. Et les serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont? C'est ce que nous on appelle le kasb. Dont les autres se moquent de nous à cause de ça. Hein? Pourtant, l'imam Tahawi, c'est exactement ce qu'il dit. Et l'imam Barra qui dit Allahu a'lam bimurad al-Sheikh al-Tahawi. Dieu seul sait, Allah seul sait ce que l'imam Tahawi a voulu dire. Mais l'imam Tahawi, il a dit quelque chose de clair. Kasbun wa kasbun min al-ibad, comme ils disent les Asha'ira. Et donc, quand il dit, parce qu'on a deux phrases opposées en fait, soit c'est Allah qui crée les actions des serviteurs, soit c'est les serviteurs eux-mêmes qui font les actions. Alors, la parole de l'imam Tahawi, elle est claire. Mais lui, dans l'explication, il dit non, les serviteurs, c'est eux qui font leurs actions, c'est eux qui font la prière, c'est eux qui font le jeûne, c'est eux qui volent, c'est eux qui disent la vérité. C'est leurs attributs à eux. Mais après, il te dit, mais c'est Allah qui crée les actes. Parce qu'il faut bien trouver un juste. Enfin, il faut bien trouver une manière d'unir deux phrases qui ont l'air opposées. Soit c'est Allah qui crée les actions des gens, soit les gens font les actions par eux-mêmes. Ce n'est pas si simple de trouver le juste milieu entre les deux. Ce n'est pas si simple. Parce que d'un côté, il y a les Jabriya et d'un côté, il y a les Qadariya. Donc, d'accord? Bref. Et le Shir, dans l'explication, il dit lorsque quelqu'un fait zina, c'est les salafis qui te disent ça. Lorsque quelqu'un fait zina, lorsque quelqu'un vole, ben c'est le serviteur qui le fait. Ça, c'est les salafis qui disent ça. Mais ils disent la même chose que disent les. Je peux vous montrer ça tout de suite. Si vous n'avez qu'à vérifier, c'est très simple. Al-Barrak, Af'al al-Ibad, vous allez voir tout ça. D'accord? Je vous montre, si vous voulez, le livre en question. Donc ici, on a, parce que de toute façon, c'est toujours ces livres-là qui sont propagés, qui sont dans les maktabat, sur Internet, etc. D'accord? Oui, ici, on a celle de Ibn Abdelaziz qui essayait, comme il pouvait, de contredire l'imam Tahawi. Et ici, Cheikh Al-Barrak,
un peu plus clair, d'accord? Alors, à chaque fois, je n'arrive pas à trouver le. C'est dur à chercher dans parce que bon, en tout cas, voilà, le livre, c'est cette édition-là, d'accord? De Dar el-Tadmouri. Hein, c'est signé, comme dirait l'autre, d'accord? Dar el-Tadmouri. Donc, avec la compréhension de Sahib el-Tadmouri. Hein, franchement, là, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, voilà. Donc, on continue. Ici, les Mu'tazila te disent el-Iradatu. L'azaliya la tata'alluq bil kufri wa la ma'asi wa inna ma tata'alluq bil khayr faqat. Donc pour eux, la volonté d'Allah ne s'applique que au bien, mais le mal, c'est le serviteur lui-même qui le fait. On peut le dire par edeb, d'accord? Les mauvaises actions, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min hasanatin sayyatin fa min nafsik. Ce qui t'a touché comme mal, comme bien, ça vient d'Allah. Ce qui t'a touché comme mal, ça vient de toi-même. On le dit, na'am, par edeb, mais en réalité, Al-khayru wa sharru min Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal-qudratu al-hadithah hiya al-mu'athiratu fil af'ali al-ibad ala wifqi iradatihim. Et ils disent et la capacité créée qu'il y a dans le serviteur hiya al-mu'athiratu fi af'ali al-ibad. C'est elle qui agit sur les actions des serviteurs ala wifqi iradatihim, en fonction de leur volonté. Donc, comme si on attribuait aux créatures une volonté et une capacité. Qudra wa irada. Naam. Wa af'alullahi ta'ala wa ahkamuhu tatba'u aghrad wa nahwi dhalika min aqaid al-fasida. Donc, ça, c'était juste un exemple pour dire une phrase dite par les Mu'tazila, qui est en réalité la même parole que disent les wahhabotaymistes sur ce point-là, de af'al al-ibad. Et les af'al al-ibad, ça renvoie aussi au sujet du Coran, parce que c'est pareil, la meilleure phrase, alors ça c'est important, par rapport au Coran et Kalam Allah Azzawajal, pour la faire courte, la meilleure phrase, soit on dit la parole, on fait comme l'imam Ahmed, radiallahu anhu, on dit « El Coran, Kalam Allah » et stop, et on s'arrête là. Makhlouq ou pas makhlouq, créé ou pas créé, on ne répond pas, on ne dit rien. Si on ne dit rien, il n'y a pas de problème. L'étape d'après, ceux qui les ont suivis, l'imam El-Bukhari, radiallahu anhu, on lui a posé la question, Ya imam Bukhari, le Coran créé ou pas créé? On lui a posé la question trois fois. Ils ont fait toute une réunion, ils l'ont convoqué, etc. Réponds, réponds. Il n'a pas voulu répondre. Ensuite, il a répondu de la meilleure manière. Il a dit, El-Coran, kalamullah, wa af'alullah, makhlouqa. Et donc, il a dit tout ce qu'on a dit dès le début. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est d'un côté. Et les actions des serviteurs sont créées. C'est-à-dire ma récitation, mon écriture du Coran, tout ça, c'est créé. D'accord? Et troisième chose, c'est que lorsqu'on donne la définition, il faut être bien précis. On ne dit pas El Coran, ghayru makhlouq, comme ça. Parce que ce serait pas exact de dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours les deux notions que chacun va vouloir tirer de son côté. Il faut être précis, dire El Coran, kalamullahi, ghayru makhlouq. Là, c'est bon. Le Coran est la parole d'Allah non créée. Si on dit ça comme ça, là, c'est bon. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais retenez ça et vous serez tranquille, inshallah. El Coran, kalamullahi, ghayru makhlouq. Il ne faut pas dire seulement El Coran, ghayru makhlouq. D'accord? Parce que les Mujassima ou Wahhabotaymistes, ils vont vouloir, eux, assimiler à cette phrase ta récitation aussi et l'encre du Coran aussi. D'accord? Donc, il faut faire attention. Les Wahhabotaymistes d'un côté et les autres, les Mu'tazilat de l'autre côté, les Mu'tazilat de l'autre côté, eux, ils disent que le Coran, il est créé. Donc, voilà. Mais en voulant dire par là que Allah n'a pas l'attribut de parole. Donc, on continue. Donc, c'est une phrase qui pourrait être vraie, mais qui est fausse lorsqu'on l'analyse. Naam. فهذه أخبار تحتمل الصدق والكذب إذا قصرنا النظر إلى مجرد حقائقها اللغوية أما إذا نظرنا إلى براهين
عموم إرادة الله تعالى وعموم قدرته الأزليين، وتنزه أفعاله وأحكامه عن الأعراض، ارتفع حينئذ عن تلك الأخبار الاحتمال الصدق والكذب، وتعين لها الكذب لا غير. Donc lorsqu'on analyse cette phrase, elle ne peut que être fausse. Mais ça a besoin de réflexion. Mais si on dit par exemple, 1 c'est la moitié de 4, ça c'est évident que c'est faux. Et après, ça c'est un exemple de quelque chose qui est évidemment faux, mais non pas évidemment faux, mais qui est faux après réflexion. Voilà, c'est ça. Al-arba'a aqal min thalatha. 4, c'est moins que 3. فإن هذا يحتمل بالنظر إلى المجرد صورته الخبرية الصدق والكذب. Cette phrase-là, lorsqu'on la regarde sans prendre en considération celui qui parle ni la nature de la phrase, ça pourrait être vrai ou faux. 3, c'est moins que 4. C'est un khabar. Mais quand on analyse, elle ne peut qu'être fausse de manière évidente. فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة اللفظ لذاته في تعريف الخبر لأنها لو أسقطت لما تناول التعريف إلى القسم الأول وهو ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا ويكون حينئذ فاسد العكس لخروج القسمين الآخرين. Donc là on voit que l'importance dans la définition du khabar de rajouter لذاته الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. Le fait qu'on rajoute l'izatihi, ça permet d'englober les trois catégories qu'on a dit. On ne va pas répéter. D'accord? Ici, on a une autre définition du khabar que le cheikh Jamal Dakar qu'il a donné. El khabar. Alors, iza tahaqqaqa madluluhu el kharij bidunihi fa huwa el khabar. Iza tahaqqaqa madluluhu el kharij bidunihi fa huwa el khabar. C'est-à-dire, lorsque, en fait, lorsque tu as dit le khabar, si maintenant l'information est terminée, en gros, eh bien ça, c'est un khabar. وَالَّذِي لَا يَتَحَقَّقْ مَدْلُولُهُ الْخَارِجِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْإِنْشَاء. Mais si jamais on ne peut pas obtenir cette phrase que par elle, eh bien c'est le الْإِنْشَاء. L'insha qu'on va voir juste après, c'est... en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis lève-toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir le résultat de cette phrase qu'avec ça. Lorsque tu dis lève-toi, et après, il faut que la personne se lève. Alors qu'un khabar, c'est Zayd est debout. Ben, Zayd est debout. Là, il va tahaqqaqa madlul kharij bidunihi. C'est-à-dire que Zayd sera debout même si tu n'informes pas qu'il est debout. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu informes qu'il est debout qu'il est debout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que d'informer qu'il est debout pour qu'il soit debout. Alors que quand tu donnes un ordre, eh ben, il faut ordonner qu'il soit debout pour qu'il soit debout. Non, ce que j'ai compris. Non. Donc ça, de toute façon, ça revient à al-khabar ou al-insha. La définition, etc. Alors, maintenant, ويخرج أيضا بسبب ويخرج أيضا بسبب هذا القيد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب. Donc, la définition du khabar, eh bien, exclut la définition de insha. Donc, je ne sais pas du tout comment traduire ça en français. Les fous de grammaire ils pourront peut-être nous ressortir un mot qui est incompréhensible pour nous définir ça. Mais voilà. Al-khabar, c'est une information. Ou al-insha, bon, je ne sais pas comment traduire. Quoi, mais al-insha, c'est ce qu'on a dit. من حيث ذاته بل من لوازمه الخبرية فلولا هذا التقييد لفسد طرد التعريف الخبر كما يفسد عكسه بل من لوازمه الخبرية لولا هذا والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. الإنشاء c'est une phrase qui ne peut enfin qui ne peut en fait on la définit pas comme étant vraie ou fausse, d'accord. L'insha c'est un ordre, lève-toi, une question, est-ce que Zayd est en voyage,
ça peut être ce qu'on appelle tamanni. Ah, si seulement je pouvais redevenir jeune. D'accord? Tout ça, tu ne peux pas dire, ouais, tu mens. Si seulement je pouvais devenir jeune. Non, tu mens. Bah, j'ai rien dit. Pourquoi tu me dis je mens? D'accord? Donc, ça, c'est el-insha. Ou bien el-nida. Oh, Mohamed! Oh, Mohamed! Ya, Mohamed! Bah, c'est un insha et ça ne peut pas être vrai ou faux. Yani, an al-insha, ou al-kalam al-ladhi. لا يقبل صدقا ولا كذبا بالنظر الى صورته وتركيبه ومثاله الاوامر comme les ordres قم اقعد والنواهي نحو لا تقوم لا تقعد وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقوله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق tous les ordres qu'Allah lui donne d'accord ça c'est les ordres والاستفهام les questions هل زيد هل قام زيد اسكو زيد سيلوفي ماذا قال ربكم قالوا الحق ça revient à ce qu'on disait par rapport au kalam hein lorsque ça c'est dans quoi elle sera de Saba نعم verset 23 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم C'est-à-dire que lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azzawajal, ils ne peuvent même pas dire le contenu de la parole. Ils disent juste c'est le haqq. Lorsque la torpeur redescend, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Wa tamanni, comme on a dit, ya laytani kuntu ma'ahum, ya laytani kuntu turaba, si seulement je pouvais redevenir poussière. Wa nida, ya zayd, wa qawlihi ta'ala, ikhbaran an ahli nar, ya malik. Qu'Allah nous en préserve ceux qui vont appeler l'ange. De l'enfer ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun na'am fa inna hadhihi amthila kulluha la tahmilu sidqan wala kadhiban li'annaha lam tahkum biwuqu'i shay'in min fi al-kharij wala bi'adami wuqu'ihi wa lihadha la yahsunu an yuqal lil mutakallim biha sadaqta aw wala kadhabta donc on peut pas dire tu as dit vrai ou tu as dit faux d'accord نعم وإنما زدنا أيضا في التعريف إنشاء التقييد بقولنا لذاته ليخرج منه القسمين الآخران من أقسام الخبر الثلاثة التي ذكرناها في تعريف الخبر فإن كل واحد منهما لا يحتمل الصدق ولا كذب بل يتحتم في الأول منها الصدق لا غير وفي الثاني الكذب لا غير فلو اقتصرنا في التعريف الإنشاء على قولنا هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام الخبر ويكون التعريف حينئذ فاسد للطرد فلما زدنا في التعريف الإنشاء تقييد نفي الاحتمال الصدق والكذب بالذات خرج منه ذلك القسمان لأنهما يحتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتيهما فهما إذن خبر لا إنشاء Donc c'est la même chose. Dans la définition de Insha, on dit les atihi pour pouvoir assimiler les deux autres qismes. D'accord en regardant, comme on a dit tout à l'heure, je répète pour que ce soit bien compris, soit on regarde la personne qui parle, soit on regarde la nature de la phrase. Soit c'est obligatoirement vrai, soit obligatoirement faux. Wa yadkhulu aydan fil insha bi sabab hadha al qayd al amr لشخص بأكل الطعام مثلا إذا كان الآمر يحتمل أن لا يريد من المأمور أكلا أو ليس عنده ما يؤكل أصلا وإنما صدر منه الأمر بالأكل لمجرد رياء ونحوه فإن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب باعتبار ما دل عليه عرفا من الإخبار بإرادة أكل مأمور به والحب فيه والتمكن منه ولهذا كثير ما يقال لمن فهم منه مجرد الرياء في هذا الأمر كذبت ويقال لمن فهم منه خلوص مودة والمحبة فيما أمر به صدقت En fait, ici, c'est quoi qu'il veut dire? C'est dans l'insha, si par exemple, en fait, on peut avec le insha, c'est-à-dire avec un ordre, mentir. Comment ça? Par exemple, alors, les Égyptiens et dans les pays arabes, ils font beaucoup ça, en fait. Par exemple, par politesse, ou par, juste pour faire beau, par ostentation, en fait, quelqu'un qui vient te visiter chez toi ou qui t'accompagne jusqu'au pas de ta porte,
Tu dis, viens, monte. Monte à la maison boire du thé. D'accord? Ah, les Égyptiens, ils aiment bien faire ça. Tafadbal, tafadbal. D'accord? Quelqu'un, il est là, il va sortir. En fait, toi, t'as pas envie que. T'as pas assez à manger pour lui, tu vois. Ta femme te dit, hey, il t'est pas invité, lui. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, j'ai pas fait assez, etc. Et toi, tu dis à la personne, alors t'as pas envie que. Tu souhaites pas qu'elle mange avec toi. Tu dis, non, viens, reste manger, reste manger. D'accord? Et bien là, on peut dire que c'est du mensonge. Parce qu'en fait, tu fais croire que tu as à manger pour lui, d'accord? Mais en fait, il n'y a pas. Et tu lui dis, viens manger. Ou quelqu'un qui te dit, voilà, pareil pour quelqu'un qui prétend t'aimer, voilà, parce que ça, tu prétends, en fait, tu prétends quelque chose qui est faux. Par exemple, reste à la maison, mais reste, et si tu veux, je te donne, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes, d'accord? Mais alors qu'en vérité, tu n'as pas envie de lui donner, t'as pas envie de l'aider, en fait. Donc là, tu mens en prétendant. C'est comme si tu informais, tu sais, je t'aime beaucoup, hein. Je t'apprécie beaucoup. C'est comme si c'était un khabar. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça qu'il veut dire. ولا يحتمل هذا الأمر صدقا ولا تذيبا بحيث ذاته وحقيقته الطلبية فلولا زيادة التقييد بالذات أيوة donc c'est ce qu'on a expliqué ici hein. والإنشاءات et ça c'est ce qu'on appelle on appelle ça comment تمحل on appelle ça تمحل d'accord le fait de faire semblant de dire de donner un ordre de dire viens manger alors que tu n'as pas envie de venir manger. C'est comme si tu dis, je t'apprécie beaucoup, viens manger avec moi, alors que tu ne l'apprécies pas spécialement. Aïwa. Donc ça, c'est par rapport à Al-Khabar wal-Insha. Bon, j'ai envie de m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup, mais franchement, j'ai envie de terminer demain, en fait. D'accord? Donc ici, on va expliquer, Inch'Allah, Al-Sidq wal-Kadhib. Parti. الصدق والكذب الصدق عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وخالف الاعتقاد أم لا والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وافق الاعتقاد أم لا donc ça ce point il est très important on va voir pourquoi ici on nous dit c'est quoi la vérité c'est quoi le mensonge la vérité c'est une chose qui ça c'est selon les Ash'ari al-Sunna wal-Jama'a en opposition avec la définition des Mu'tazila qu'on va voir. La vérité, c'est une chose qui est conforme à la réalité. Peu importe si tu le penses ou pas. Donc, on va voir tout ça. D'accord? Donc, on va voir par exemple par rapport aux hypocrites, lorsqu'ils disent Nashhadu innaka la Rasulullah. Et ensuite, Allah dit Wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhiboun. Et Allah, il dit que Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Donc, comment on peut les décrire comme menteurs alors qu'ils ont dit une chose vraie? D'accord? Donc, on va voir tout ça. Et je me rappelle avec Cheikh Mansour à l'USH, il y a 10 ans, il nous parlait justement de tout ça. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il nous avait expliqué à la fin. Je sais pas parce que des fois, il mélange un peu, des fois, des paroles de Mu'tazila, donc je sais plus. Mais voilà. Mais en tout cas, il nous avait expliqué ces notions-là. Donc, عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر et le mensonge, c'est le contraire. وافق الاعتقاد أم لا. Alors que les Mu'tazila, alors il y a deux avis chez eux. Il y a l'avis de Al-Nazam et l'avis de Al-Jahiz. Al-Jahiz, lui, il met les deux conditions. Une chose, il faut, pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit conforme à la réalité et il faut que ce soit ce que tu penses. D'accord? Donc, si quelqu'un, donc vous voyez un peu comment on peut classifier les choses. Donc quelqu'un il va dire une chose qui est vraie. Donc là, selon leur avis, le verset du Coran va dans leur sens. Le verset du Coran va dans leur sens. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on prend cette définition-là parce qu'elle n'est pas exacte et elle est dangereuse pour les raisons qu'on va voir. Je vais vous le dire tout de suite parce que c'est dangereux parce que si on considère vrai que quelque chose que quelqu'un pense, alors si par exemple, vous dire,
Alors, il y a deux conditions. Alors, bon, comme il y a deux avis, Jahiz, lui, c'est les deux. Mais Navam, lui, pour lui, la vérité, c'est quelque chose que tu dis et que tu penses, même si ce n'est pas conforme à la réalité. D'accord? Même si ce n'est pas conforme à la réalité. Donc, si toi, tu dis, le ciel est en dessous de nous. Quelqu'un qui dit, le ciel est en dessous de nos pieds, mais qu'il le pense, donc pour Navam, parmi les Mu'tazila, il est véridique. Il est véridique. Il a dit la vérité. La vérité, parce que lui, il le pense. D'accord? Donc voilà. Et à la fin, on va voir enfin, je vous fais la conclusion tout de suite. C'est que, justement, quand justement nous, on est avec, on parle avec des opposants, même les wahhabotéimistes, etc., il faut faire la différence entre quand tu dis à quelqu'un, par exemple, même quand tu lui dis qu'il ment, parce qu'eux, ils aiment bien dire ça, tu vois, les salafis, tu mens, ah, t'es un menteur, tu mens. Non, il y a une différence. Mentir, c'est quand quelqu'un il sait pertinemment que il dit quelque chose qu'il ne pense pas. Tu vois? Ça, c'est du mensonge. Mais quand maintenant on part du principe que le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, mais cette réalité-là, des fois, on ne peut pas la connaître. La réalité, des fois, on ne peut pas savoir. Maintenant, qui va savoir? Maintenant, moi, je suis Ash'ari. Un tel est salafi. Qui va nous dire maintenant qu'il y a la vérité? Qu'il y a un prophète parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ma'soum, min al-kadhib, et qui va nous dire les Ash'ari, c'est eux qui sont sur la vérité? Ou les salafis, c'est eux qui sont sur la vérité? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a un prophète ma'soum, min haythu al-mukhbir, qui va nous dire ça c'est vrai, ça c'est faux? Il n'y a pas. D'accord? Maintenant, mutabiqa lil-waqi', en fonction de la phrase, en fonction de la situation. Les Ash'ari, ils ont leurs preuves. Les Salafis, ils ont leurs preuves. Maintenant, il faut qu'on regarde les preuves. Donc, c'est très important pour ces raisons-là de faire la différence entre ces choses. Et en plus aussi, par rapport au versets coraniques et aux hadiths prophétiques surtout, parce que les Mu'tazila, ils aiment bien dire, par exemple, un prophète va, par exemple, on va dire, je sais pas moi, la lune, c'est la lune s'est fendue. Eux, en fait, ils vont croire à une chose que si jamais ils voient que c'est conforme à la réalité. Tu vois? Alors qu'ils vont dire, voilà, le prophète, toi, tu crois en ça, toi, c'est ce que tu crois, mais la vérité, Allahu a'lam. Non, il faut que ce soit. Et donc, eux, ils sont. C'est pour ça que de temps en temps, ils ont une facilité à contredire des hadiths si jamais ils considèrent que ce n'est pas conforme à la réalité. C'est ça la conclusion. Donc on reprend. Yani, anna haqiqat al-sidqi huwa muwafaqatul khabar alladhi 'araftahu fi ma sabaq. Donc le khabar, donc on a vu c'est quoi un khabar. Donc le khabar, soit, bon, je vais pas répéter, enfin je vais répéter, c'est pas grave, soit ça vient. Bien sûr, le Coran, donc là, il n'y a pas de doute, mutawatir, matnan wa sanadan, naam, qat'iyya thubut, qat'iyya dalala. Ensuite, les hadiths, voilà aussi, bah, quand tu traites quelqu'un de menteur, c'est par rapport à quelqu'un de mutawatir. Quand tu le traites d'innovateur ou de kafir, c'est avec quelque chose de clair. D'accord? Ce n'est pas quelque chose par rapport à i'tiqad. Quelqu'un, il pense quelque chose. Quelqu'un, il pense quelque chose. Pourquoi tu vas dire que c'est un menteur? Pourquoi tu vas dire. Et quand c'est avec Ibn Hajar ou An-Nawawi, c'est bizarre. Là, ils disent, ah oui, mais lui, il cherchait la vérité, donc on ne le considère pas égaré. Vous voyez? En fait, c'est à géométrie variable. Quand il s'agit d'Ibn Hajar, il dit, bon, c'est vrai, il avait des paroles de Ash'ari, mais lui, c'est un mujtahid, il cherchait la vérité, donc on ne le considère pas égaré. Et pourquoi vous n'appliquez pas ça sur nous? Nous aussi, on cherche la vérité comme Ibn Hajar. Même si on n'est pas à son niveau, on cherche tous la vérité. Donc pourquoi nous traiter de menteurs? Pourquoi nous traiter de gens qui ont exprès, etc. Donc voilà. Donc le but d'étudier toutes ces choses-là, moi j'ai toujours dit, la science, ça calme. On se calme un petit peu. Non. Ya Allah. Yani, anna haqiqat al-sidqi huwa muwafaqatu al-khabar alladhi 'araftahu fi ma sabaq. Lima fi nafsi al-amri, sawa kana dhalika muwafiqan aydan li'i'tiqadi al-khabar mai'ud sunni. نعم خالق أفعال العباد كلها ضرورية أو اختيارية ولا أثر لقدرتهم فيها أصلا فإن هذا
خبر صدق لأنه مطابق لما في نفس الأب. Donc encore un exemple de phrase qui est véridique. Donc là, on va voir la véridique. Si c'est sunnita, ou à mon tabi kun aydan, l'i'tiqad kulli sunni min ou kana mukhalifan li'tiqadihi ka hadhihi al-khabar. Allez, c'est parti. On essaie de reprendre. Yallah. Donc, essayer de terminer vraiment ce chapitre-là. Ça va. Donc, ولا يقدح في صدق مخالفة اعتقاد الخبر إذا المطابق الاعتقاد لا يلتفت إليها في حقيقة الصدق عند أهل السنة. Donc, chez les Ahl Sunna, on ne regarde pas si la personne le pense ou pas. On regarde si la chose est conforme à la réalité. Je vais lire rapidement. De toute façon, je vais résumer. ولهذا يجب تأويل عندهم في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فإن قول المنافقين إنك رسول الله هو حق صدق لموافقته لما في نفس الأمر. Donc ce verset qui dit quand les hypocrites viennent, ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah, cette phrase elle est véridique. On ne regarde pas, la phrase est véridique et on ne regarde pas si eux le pensent ou pas. Donc, le fait que la personne ne le pense pas, on ne regarde pas ça pour savoir si la phrase est vraie ou fausse. D'accord? Si par exemple tu prends un chrétien et sous la menace, tu lui dis que Isa alayhi salam est un prophète et qui n'est pas le fils de Dieu. Lui, il va dire, oui, d'accord, Isa est un prophète, il n'est pas le fils de Dieu. Lui, il va le dire, donc sa phrase sera véridique. Même s'il ne le pense pas, la phrase reste véridique. Non, on ne va pas dire qu'il a menti. Chez les Ahl Sunna. Wa zahirul aya takdhibuhum fi hadha al-khabar. Mais le verset, visiblement, les rend menteurs alors qu'ils ont dit quelque chose de vrai. Fawajaba izan ta'wil. Donc, il faut qu'on fasse, nous, un ta'wil, on interprète ce verset. Et j'avais dit, il ne s'est pas dit ici que c'est une preuve par rapport à Al-Kalam Nafsi. D'accord ? Bon, soit Kalam Nafsi, de toute façon, dans d'autres versets, ils ont dit d'autres choses qui montrent qu'ils ne croient pas à cela. Mais dans Surat Mujadala, ils disent le même passage en fait, dans Surat Mujadala. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Donc c'est le même passage parce que le Coran s'explique par lui-même. Donc, et lorsqu'il te voit, il te salue d'une manière que même Allah Azza wa Jal ne t'a pas salué d'une telle manière, aussi grandiose. Et ils disent en eux-mêmes, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul. Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce qu'on fait? On est en train de mentir devant eux et ils ne se rendent compte de rien. Donc ce passage de Surat Mujadala explique pourquoi, Allahu a'lam, ça c'est ma compréhension, explique pourquoi dans le verset Munafiqun, Allah dit ils sont menteurs. Parce qu'ils ont dit des choses en eux-mêmes. Mais les choses qu'ils ont dit en eux-mêmes, ce n'est pas cité dans Surat Munafiqun, mais c'est cité dans Surat Mujadala. C'est pour ça que je dis, celui qui mémorise, qui lit le Coran, eh ben, il ne va pas tomber dans des mauvaises compréhensions. Et si les Ahl Sunna prennent cet avis-là, c'est parce qu'eux, bien évidemment,
ce sont les premiers à lire le Coran et les hadiths, etc. فوجب إذا تأويل الآية وصرف التكذيب فيها إلى غير المشهود به مما تضمنته الشهادة من الخبر. Mais la réponse que les shuyukh y donnent, c'est que la shahada, le mot shahada, d'accord, bah, c'est quelque chose qui implique que tu crois à ce que tu dis, d'accord, parce que sinon c'est un faux témoignage. Imagine quelqu'un il vient témoigner, d'accord, d'une chose, peut-être qu'elle est vraie. Par exemple comme vous savez, si tu accuses une femme ou une personne, pas qu'une femme d'ailleurs, d'avoir fait la fornication, toi tu l'as vu, d'accord, ou bien disons que non, tu l'as même pas vu, mais imaginons que c'est vrai. Allah, il sait que c'est vrai, d'accord, mais toi, tu n'as pas vu. Mais tu dis, il a fait la fornication. C'est vrai ce que tu as dit, mais tu n'en sais rien parce que toi, tu n'as pas témoigné de cela, tu n'y crois pas parce que tu n'as pas vu, d'accord. Donc là, ça s'appelle un faux témoignage, parce que le mot shahada, c'est pas que... Il y a le mot qawl, une parole, c'est une chose, mais le mot shahada, c'est plus précis, d'accord. Donc c'est sur ça que Allah les a traités de menteurs. Non. بما تضمنته الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به من رسالة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق لما في نفس الأمر تضمنته الشهادة غير مطابقة لما في نفس الأمر فصح تكذيبهم. نعم. Donc leur shahada, c'est pas conforme à ce qu'il y a en réalité dans leur cœur. ويحتمل صرف التكذيب إلى مشهود به. لكن في اعتقادهم وزعمهم الفاسد إذ هم يعتقدون الكذب فيما أخبروا به من الرسالة لأنها في زعمهم الفاسد غير حاصلة في نفس الأمر. ففيه نعي عليهم بإخبارهم بما يعتقدون كذبه خداعا ونفاقا ويحتمل صرف التكذيب. Donc là, ils essayent de donner en fait, ils essayent de faire un ta'wil pour savoir pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla les a traités de menteurs alors qu'ils ont dit quelque chose de vrai, d'accord. En fait, on pourrait dire qu'ils essayent de contredire les Mu'tazila dans leur avis que la vérité, c'est quelque chose que quelqu'un pense. Si tu le penses, c'est la vérité. Si tu dis quelque chose qui est vrai, mais que tu ne penses pas, donc tu mens. Donc là, ce verset, en apparence, va dans le sens des Mu'tazila. Mais nous, on n'est pas d'accord. وَيَحْتَمِلُ صَرْفُ التَّكْذِيبِ إِلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودِ الَّذِي أَخْبَرُوا بِهِ بَعْدَ تَمْهِيدِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَهِيَ إِظْهَارُ إِيمَانِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمُوا هذه المقدمة بين يدي المقصود الذي أخبروا به بعدها ليدفعوا بذلك تهمة الكفر الذي تهموا به عن أنفسهم ذلك الخبر أنهم حلفوا على أنهم لم يصدر منهم ما بلغ عنهم من المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Dans la même sourate, parce que de toute façon les sourates en général, elles sont homogènes et elles s'expliquent. La même sourate Munafiqun, Allah rapporte la parole des hypocrites qui disent ne dépensez pas, ne donnez pas votre argent au prophète alayhi salatu wasalam pour qui jusqu'à ce qu'on soit débarrassé d'eux et jusqu'à ce qu'ils s'éteignent tout seuls. Et la phrase qu'ils ont dit, bon, c'est leur chef qui l'a dit, mais ils sont tous associés à cette phrase, la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhal. Ils ont osé dire que le plus noble va faire sortir le plus avili. C'est-à-dire, le chef des hypocrites appelle le prophète salam le plus avili. On va le faire sortir. Et il a dit une phrase qui dit, le chef des hypocrites, « Sammin kalbaka ya'kuluk ». Imaginez-vous. Subhanallah. Il dit, « Donne à manger à ton chien et il va te mordre. » Il disait ça en parlant du prophète salam. Et malgré ça, quand cette personne qui a dit cette phrase que je viens de dire, il est mort, le prophète sallam a donné son linceul pour l'enterrer dedans et s'est dirigé pour aller prier sur lui. Même Omar ibn Khattab et Sahaba dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas prier sur lui? Il a dit, laisse-moi tranquille. Même si je savais que en priant 70 fois ou 71 fois, Allah lui pardonnerait, je le ferai. Jusqu'à ce que Allah lui interdise carrément de prier sur les hypocrites. Mais ce geste-là a été la cause que beaucoup d'hypocrites
sont sortis de l'hypocrisie, se sont repentis, ils sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont vu la miséricorde du prophète عليه السلام. Non. فكذبهم الله عز وجل تعالى في إنكارهم صدور هذه المقالة منهم وحقق صدورهم منهم بقوله عز وجل جل وعلا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ويحتملوا أي alors il y a en fait ils font beaucoup d'hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi Allah les a traités de menteurs. Ils ont fait beaucoup d'hypothèses, mais subhanallah, ils n'ont pas émis l'hypothèse qu'il y avait le kalam nafsi. Kalam nafsi, Allah les a... Ça prouve que le kalam nafsi et la parole intérieure est prise en considération. Parce que ça aussi, c'est une polémique que les wahhabotémistes nous reprochent, dire où est la votre preuve qu'il y a un kalam nafsi. Parce qu'au niveau de la parole d'Allah, on dit il y a le kalam nafsi, la parole intérieure que Moussa a entendue, et la parole lafzi, qui est une parole que Allah crée une voix pour qu'on l'entende. Parce que c'est nous qui avons besoin d'une voix pour entendre, mais Allah n'a pas besoin d'une voix pour parler. Allah n'a besoin d'aucun ustensile, n'a pas besoin de main pour créer, n'a pas besoin de yeux pour voir, etc. Hein? Bref. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَجَوُّزَ الْكَذِبِ فَأُطْلِقَ عَلَى غَلَطِهِمْ بِاسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِي وُدِعَتْ لُغَةً لِلْمَعْلُومِ الْمُحَقَّقِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ. Donc aussi il y a le sens de al-kadhib, c'est le sens de khata, d'accord, parce que le mensonge on peut l'appeler aussi quand tu dis à quelqu'un tu t'es trompé, tu peux lui dire kadhabta. Kadhabta, justement on va voir un point. En fait il y a, si je vous pose la question, c'est quoi le contraire de la vérité? C'est quoi le contraire de la vérité? Vous allez me dire, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Bah, c'est pas tout à fait précis, justement. Parce que, effectivement, si quelqu'un dit une chose qui est fausse, donc, en fait, on appelle ça kadhib, mais en fait, le contraire de la vérité, ce n'est pas toujours le mensonge. Ça peut être ça veut dire la non-vérité, mais pas spécialement le mensonge. Vous allez dire, oui, c'est de la philosophie, etc. Mais non, c'est important. C'est important de faire cette différence-là. Donc, par exemple, Amana, quelqu'un digne de confiance, c'est quoi le contraire? Vous allez me dire, la traîtrise. Je dis non. Parce qu'on peut être digne de confiance, mais pas être traître. Ce n'est pas de la philosophie. Je dis, il est Leïsa Aminan. Leïsa Aminan. D'accord? Et on appelle ça Moussaoui. Non, Moussaoui l'innaqid. Moussaoui. C'est-à-dire que c'est équivalent au contraire. Équivalent au contraire. D'accord? En gros, quelqu'un qui dit une chose fausse, mais en essayant de sans faire exprès, ben on va lui dire, bon, ce que tu dis, c'est pas tout à fait vrai. D'accord? On va lui dire, c'est pas tout à fait vrai. Mais on ne va pas lui dire, tu mens. D'accord? Ne serait-ce que par edeb et ne serait-ce que pour être doux avec lui, etc. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut... pareil, c'est des choses qui peuvent nous servir. وبهذا تعرف فساد اعتماد النظام المعتزلي على هذه الآية. Donc النظام ذهب إلى أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر الاعتقاد المخبر. Donc pour lui, النظام, la vérité, c'est ce qui est conforme à ce que pense ta personne. وافق ما في نفس الامر ام لا, même si ce n'est pas conforme à la réalité. والكذب عدم مطابقه الخبر لاعتقاد المخبر خالف ما في نفس الامر ام لا. Et le mensonge, c'est le contraire, c'est le fait de dire une chose que tu ne penses pas, même si c'est vrai. وذهب الجاحظ من المعتزله الى ان الصدق مطابقه الخبر لما في نفس الامر مع اعتقاد ذلك. الجاحظ lui donne deux conditions, il faut que ce soit vrai et il faut que tu le penses pour que ce soit la vérité. والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مع اعتقاد لذلك. Et le mensonge, c'est que tu dis une chose qui est fausse et tu penses que c'est faux. فشرط في كل من صدق والكذب شرطين, deux conditions. مهما انتفيا أو أحدهما كان الخبر واسطة لا يوصف بصدق ولا بالكذب. Donc s'il y a un seul des deux, ça s'appelle wasita. Donc là, c'est ça qu'on appelle musawi lin-naqid. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire quelque chose de faux, mais il pensait que c'est vrai, on ne va pas dire que c'est du mensonge, c'est entre les deux. D'accord? Voilà.
C'est important à savoir, d'accord? Et c'est important. Et quand les frères, beaucoup de frères, ils aiment bien dire, ah, tu mens, tu mens, tu mens. Pourquoi tu dis je mens? C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris. Ça ne s'appelle pas du mensonge, d'accord? Donc, le khabar, il est de six sortes. Donc, premièrement, ce qui est véridique, donc c'est ce qui est vrai et ce que tu penses. Mensonge, donc c'est ce qui est faux et ce que tu penses. Donc il y en a quatre qui sont entre les deux, d'accord? Voilà, vous pouvez faire à vous de faire les classifications par vous-même. Naam. وقوله والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر مثال الكذب الذي يوافق الاعتقاد قول المعتزلي. Donc en fait, là on va la faire courte. Il donne des exemples encore. Il donne des exemples de quelqu'un qui va dire, par exemple, un Mu'tazili qui va dire une phrase. Imaginons que tu le menaces, d'accord? Tu vas le menacer et tu vas lui dire, on va prendre l'exemple d'un chrétien. Tu vas le menacer, tu vas lui dire, dis que Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salam, et que Isa, alayhi salam, c'est un serviteur et un messager d'Allah. Et il le dit. Bah, sa phrase, selon nous, ce sera la vérité. D'accord? Ce sera une vérité. Mais selon les Mu'tazila, ce ne sera pas une vérité. Et ensuite, il y a une conclusion. Wa'alam anna, alors, conclusion. Wa'alam anna tafsir ahl al-haq. Al-sidq wal-kadhib yuhassal al-wuthuq bi akhbar al-rasul. Donc, notre définition, en fait, de la vérité, que ce soit quelque chose qui est conforme à la réalité, même si la personne ne le pense pas, ça implique donc nous que déjà on fait très attention donc quand on prend les informations, les hadiths du prophète Aïssatou, on veut être sûr que c'est vrai. Donc c'est pour ça que les savants ont fait beaucoup d'efforts pour savoir quels sont les hadiths authentiques ou pas. Fi ahkamihi wa wa'idihi wa tafsila. Donc toutes les informations qui nous sont venues du Coran et de la Sunna, ben, surtout de la Sunna, on vérifie bien d'où toute la science des hadiths. D'ailleurs, on a un livre de hadith qu'on a bientôt fini, Al-Fi'a qu'on a bientôt fini, mais dorénavant je vais faire les sciences une par une à chaque fois. Donc là, alhamdoulilah, demain on va terminer ce livre-là, ensuite on va enchaîner sur autre chose, on verra c'est quoi. Li'anna na'lam bil burhan al-qat'i sidqahu, car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours la vérité, mais encore faut-il qu'on sache que le hadith soit authentique. Mutabaqa akhbari lima fi nafsi al-amr لا لاعتقاده فقط مع جواز مخالفتها لما في نفس الأمر. Donc, on sait que le prophète, alayhi dit toujours la vérité. لا لاعتقاده فقط. Donc, nous, on ne prend pas seulement dire que le prophète, sallam, lui, il pense que c'est ça. D'accord? Mais en vérité, ce n'est pas ça. Genre que le prophète, alayhi pourrait nous informer d'une chose, lui, il pense que c'est ça, à leur époque, parce que les Mu'tazila, ils aiment bien faire les modernistes. D'accord? Ah oui, mais les gens avant, ils croyaient, mais la science moderne nous dit telle et telle chose. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les choses et c'est conforme à la réalité. C'est pas seulement ce que lui il pense. Naam. Lima fi nafsi l'âme, wa billah et tawfiq. Naam. Donc on en a terminé. Et donc, Naam. Wa idha kana, aywa. Donc tout ça on a dit. Aywa. Donc on a dit tout ça, donc voilà, je regarde mes notes vite fait pour si j'ai rien oublié. Eh bien, c'est ça. On a fini, alhamdoulillah, ce chapitre-là. Alhamdoulillah, ça a tenu un peu sur YouTube, ça a tenu sur Facebook. Donc, voilà. Donc, alors, je regarde s'il y a des questions. Allez-y.
Il faut que je vous laisse un peu vous exprimer. Ça va être, il y a le temps pour le Maghreb. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de regarder sur YouTube s'il y a des questions ou pas. Sur Facebook, allez-y, hein, si jamais vous avez des questions. Je regarde. Moi, je ne voulais jamais vous exprimer. Chaque fois, je parle, je parle, je parle. Mais. Aïwa. Albaniste. Oh là là. Bon, voilà, il n'y a que des opposants ici, alors. Salam alaikum Farid. Wahhabotaimiste. Ibn Qayyim. Voilà, il y en a qui ont envie de rigoler. Albaniste. Différenciez-vous des chrétiens. Bon, lui, je ne sais pas qui c'est là. Bref, donc Farid, si tu as une question, après je vais clôturer, Inch'Allah, par rapport à tout ce qu'on a dit. Parce que là, le gars, Abdoulhaï, il a envie de rigoler. Toi, ça doit être encore un petit gamin qui prend la science pour un jeu. D'accord? On a dit des choses précises, des choses importantes. Bon, là, c'était peut-être un peu technique pour toi, je ne sais pas. Tu vois? Donc, si vous avez des questions, par rapport au calame, par rapport à tout ce qu'on a dit. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire des débats. Voilà, c'est la aqida des musulmans qu'on est en train d'exposer, tout simplement. Hein. C'est la aqida de Ibn Hajar, al-Nawawi, Ibn Daqiq al-Id, al-Bayhaqi, Ibn al-Jawzi, etc., etc., etc. Parmi les gens du hadith, parmi les fuqaha, parmi les gens. Naam. Le cours a été clair, alhamdoulillah. Naam. Allez-y, hein. On peut rajouter, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Vous savez, quand le prophète, il s'était trompé dans la prière. Il s'était trompé dans la prière et il y avait un homme qui s'appelait Zul Yadei qui a dit Ya Rasulallah, Ana qusat as-salah, est-ce que la prière elle a été réduite? Parce qu'en fait, il avait fait une prière de 4 rakat et à la deuxième rakat, il a fait salam salam. Et le prophète a dit Kullu dhalika lam yakun. Et en fait, il a dit deux choses. Il a dit est-ce que la prière a été réduite ou alors. Tu t'es trompé. Il a posé deux questions. Est-ce que la prière a été réduite ou tu t'es trompé? Il a dit, le prophète il a dit, aucune de ces deux choses ne s'est produite. Ni la prière a été réduite, ni je me suis trompé. D'accord? Donc là, bien évidemment, on ne va pas dire que c'est un mensonge du prophète. Il a dit une chose qui n'était pas conforme à la réalité, mais. C'est une chose qui est faite, en réalité, c'est pour nous apprendre. Allah Azzawajal nous fait oublier certaines choses pour nous permettre d'apprendre. Voilà. Donc voilà, hein, on a bientôt fini, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah Ta'ala. Alors demain, à confirmer, Inch'Allah, je vais confirmer, je ferai un post Inch'Allah, sur YouTube. Mais je pense que je vais le faire en journée, le Dars, à 15h, Inch'Allah. Donc après Zohr en France, à 15h, Inch'Allah Ta'ala, le cours il sera léger, il reste pas grand-chose en fait. Et ça va parler par rapport au prophète al-Salam, el-Aman. Donc ce qu'on doit croire au niveau du prophète al-Salam, qu'il est justement Amin. Et on va parler d'une chose importante justement par rapport à la place qu'on doit donner au prophète alayhi. Vous n'avez pas de questions? Barakallahu
Et ouais. Bah donc, alhamdoulilah. Donc voilà, je ne sais pas si je fais un résumé pour terminer. Me suis beaucoup répété, mais excusez-moi, ça bouge là à cause du ventilateur. Donc on a parlé, c'est un chapitre qui parlait de résumé en. Donc, pour résumer le Dars en 3 minutes, hein, j'ai parlé au moins 2 heures, mais je vais résumer tout ça en 5 minutes, Inch'Allah. C'est que on a fini de parler du chapitre de l'Kalam. D'accord? On a fait à peu près le tour. On a dit l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de ramener beaucoup de textes comme ils font les salafis tout le temps, plein de textes partout, copier-coller, copier-coller. L'essentiel, c'est la compréhension. Une fois que tu as la compréhension, après, tu peux comprendre les textes comme il faut. Donc, on a parlé suffisamment. Ensuite, on a vu donc ce chapitre de Al-Khabar wal-Insha. Donc, ça, c'est un chapitre qu'on étudie dans la science de Ilm al-Ma'ani, dans la science de rhétorique, la science de Balara. On a vu, j'ai des cours de ça, Ilm al-Ma'ani. Donc, on a parlé en détail de Khabar wal-Insha. Donc là, on en a parlé pour dire que al-khabar huwa ma yahtamilu as-sidqa wal-kadhiba li dhatihi, c'est ce qui peut éventuellement être vrai ou faux en lui-même. Mais maintenant, si on regarde deux éléments sur l'information, ben là, soit ça va être nécessairement vrai, soit ça va être nécessairement faux, ou troisièmement, ça peut être vraiment ou vrai ou faux. D'accord? Si on prend en considération, alors, si la personne qui parle n'est pas exempt et yani n'est pas, en fait, c'est pas Allah, Azzawajal, et c'est pas le prophète, on pourrait rajouter les paroles des Sahaba en ce qui concerne des choses qu'ils ne peuvent pas connaître que s'ils l'ont entendu du prophète. Si un Sahaba nous informe de quelque chose de l'invisible, automatiquement, on va dire que la hukm al-marfoua, c'est considéré comme s'il avait entendu le prophète, même s'il ne le dit pas directement. Donc, ces trois-là, automatiquement, en fonction de la personne qui parle, là, maintenant, c'est automatiquement vrai. Deuxièmement, c'est une parole qui est dite non pas par quelqu'un qui, c'est pas Allah, c'est pas son prophète, c'est pas, comme on vient de dire, un sahabi qui dit une chose qu'il ne peut pas dire qu'en l'ayant entendu le prophète. Là, on regarde la nature de la phrase. Si elle est logiquement, elle ne peut être que vraie, donc là, on va dire qu'elle est vraie. Et si elle peut être que fausse, on va dire qu'elle est fausse. Et Al-Insha, c'est une parole qui ne peut pas, enfin, qu'on ne qualifie pas ni de vraie ni de fausse. Al-Insha, c'est plusieurs types de phrases. Donc, c'est la phrase à l'impératif, lève-toi, assis-toi, une question, est-ce que vous avez été en voyage? Ce qu'on appelle tamanni, si seulement je pouvais devenir jeune, ce qu'on appelle nida, une interpellation, ya Mohamed, oh Mohamed, tout ça c'est des phrases qu'on ne qualifie pas de vraies ou de fausses. Mais elles peuvent être considérées comme vraies ou fausses, comme on a dit. Bon, déjà, il y a aussi ce qu'on n'a pas dit, les alfaz al-uqud, les phrases de contrat, comme le mariage, la vente, d'accord? Comme tu dis, quand tu vas dire je t'ai vendu cette chose, donc c'est une ça a l'air d'une information, mais en fait c'est pour confirmer un insha, d'accord? Zawajtuka ibnati. En fait, là tu as répondu à un ordre, enfin une question. Est-ce que tu peux marier ta fille? Eh ben, c'est une question, mais là, tu as répondu à l'affirmative. Donc, ça, c'est les phrases de contrat. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'un insha peut être en réalité un khabar. Ça, on l'a vu dans Ilm al-Balagha. Donc, c'est, par exemple, quand tu vas dire, ou le contraire, un khabar peut avoir un sens de insha. C'est-à-dire, tu vas dire, Ghafarallahu laka, ou bien, Yaghfirullahu laka. Ta traduction, c'est Allah t'a pardonné. C'est madi. Ghafara. Yaghfiru. Irfir. Mais ce qu'on veut dire, c'est irfir. Irfir, là, c'est
c'est une phrase à l'impératif dans le sens de dua, parce qu'on ne donne pas un ordre à Allah, d'accord? Mais ce qu'on veut dire, c'est Allahumma irfir lana, du plus petit vers le plus grand, c'est une dua, et du plus grand vers le plus petit, c'est une demande. Alors, mais on l'exprime en disant Ghafarallahu lak, Allah t'a pardonné, mais tu veux dire Allahumma irfir lahu. Et yaghfirullahu lak, mais tu veux dire irfir lahu. D'accord. Donc c'est un khabar bi surati insha. C'est une information sous la forme un insha sous la forme d'une information. D'accord? Ça aussi ça existe. Donc insha, mais par contre si tu dis à quelqu'un reste dormir à la manger, reste dormir à la maison, mange avec moi, alors que tu n'as même pas de place pour le faire dormir. Tu n'as même pas de nourriture pour lui donner à manger. Mais ça, c'est du mensonge. C'est comme si tu disais, je t'apprécie beaucoup, j'ai à manger. C'est comme si tu disais, j'ai à manger pour toi si tu veux. Mais en fait, tu n'en as pas. D'accord? Donc là, sous cet aspect-là, c'est un mensonge. Ensuite, on a parlé de as-sidq ou al-kadhib. On a parlé de la définition de la vérité et du mensonge. On a dit la vérité chez les Asha'ira. Contrairement au Mu'tazila, on dit la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Même si tu ne le penses pas, c'est la vérité. Alors que le Mu'tazila te disent, la vérité, c'est ce que tu prononces de ta bouche. Tant que tu le penses, c'est la vérité. Tu es véridique. Tant que tu le penses, tu es véridique, même si ce que tu dis n'est pas conforme à la réalité. Après, chez eux, il y a c'est An-Nawwam qui lui met comme condition que ce que tu dis, tant que tu le penses, c'est la vérité. Et Jahir dit, il faut deux conditions. Il faut que ce soit conforme à la réalité et il faut que tu le penses. D'accord? Et donc, dans le cas où, donc tout ça, ce qu'on a, ces cas-là, ça s'appelle wasita. Donc, en fait, vous pourrez faire de vous-même six catégories. Donc, il y en a, il y en a et parmi les six, il y en a quatre qui sont wasita. D'accord? Parce que il y a quatre sortes où il y en a un des deux qui ne sera pas là. Soit conforme, mais tu ne penses pas, soit tu penses, mais ce n'est pas conforme, etc. D'accord? Et quand c'est dans ce cas-là, ça s'appelle wasita, et nous aussi, on appelle ça musawi lin-naqid. D'accord? Parce que le contraire du blanc, bah, ce n'est pas le noir. D'accord? Le contraire du blanc, ce n'est pas nécessairement le noir. Parce que il y a d'autres couleurs. D'accord? C'est ça. Le contraire de digne de confiance, ce n'est pas nécessairement le traître. Et le contraire du véridique, ce n'est pas nécessairement un menteur. D'accord? Parce que si jamais quelqu'un dit une chose qui n'est pas vraie, mais il pensait que c'était vrai, donc tu ne considères pas comme menteur, tu dis Huwa Laysa Sadiqan. Yani, Laysa Sidiq. D'accord? Donc voilà. Donc quelqu'un pourrait se poser la question, mais pourquoi on parle de tout ça? C'est quoi l'intérêt, etc. Ben, c'est que, justement, quand on est dans les confrontations, quand on parle avec, quand on est en débat théologique, et comme je discutais avec des frères, en fait, certains sont, comment dirais-je, gênés, peinés, comment ça s'appelle, ça les gêne beaucoup que de voir des divergences entre les musulmans, etc. Mais il ne faut pas. Mais ce qu'il y a, c'est que justement, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, ça nous donne des éléments intellectuels qui nous permettent de discuter de manière sereine. Alors, la personne pense quelque chose, c'est ce qu'elle a appris, d'accord? C'est ce qu'elle a compris. Donc, tu ne peux pas le traiter de menteur comme ça. Tu dis, ah, tu es un menteur, tu fais exprès. Non, il ne fait pas exprès. La personne, elle pense cela. Ce n'est pas contraire à la réalité, mais elle le pense. Mais maintenant, ce qui est contraire à la réalité, il faut avoir la modestie de savoir que ben, on peut pas savoir c'est quoi la réalité des choses. Seul Allah Azzawajal sait la réalité des choses. Il y a plusieurs, dans l'islam, il y a plusieurs courants, d'accord? Voilà, il y a les Tébliğs, il y a les Salafis, il y a les Ikhwanis, voilà. On peut avoir des certitudes de nous, mais ce qui est vraiment conforme à la réalité, seul Allah Azzawajal le sait. Donc ça sert à rien qu'on se traite de menteur, qu'on se traite de machin, etc. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'on utilise les, que nous, on étudie les règles de la raison, parce que, comme on a vu, les règles de la raison, là, ça nous permet de connaître les choses de manière sûre. D'accord? Quand on utilise la raison ne trompe jamais. La raison ne trompe jamais. Contrairement à ce que les gens nous disent, d'accord? La raison ne trompe jamais. El aql el burhani.
L'aql al-burhani, 1 plus 1 égale 2, ça ne trompe pas, d'accord? Par contre, l'aql al-istihsani, le chose tu dis que tu apprécies une chose ou tu valides une chose seulement par tes impressions, tes émotions, non, ça, l'imam Shafi'i refuse catégoriquement l'istihsan. L'istihsan, c'est le fait de dire, oui, ça, j'apprécie, etc. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc demain, bi-idhnillah, on va terminer le dernier chapitre. Et walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka antal hamidul majid. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.